Celui-là. Ouais. Je le trouve pas vraiment digne. C'est pas à nous d'en juger. Il faut qu'on l'amène jusqu'à l'eau. La purification commence ce soir. Nous pourrons voir la lumière divine et franchir la porte de l'Éden. Non, pas celle-là. Celle-là n'est pas pure. T'amuses, John? Non, je sais. Tu dois les aimer, John. Ne laisse pas ton péché t'aveugler. Amène-moi celui-là. En dépit de tous tes péchés, le salut reste à ta portée. Tu n'es pas là par hasard ni par chance. Tu es là par la volonté de Dieu. C'est lui qui t'offre ce don. La suite dépend entièrement de toi. Tu peux accepter ce cadeau. Ou tu peux le rejeter. Celui-ci va réussir son expiation. Ou la porte de l'Éden te sera fermée, John. Oui, Joseph. Tu te confesseras. Tous les péchés que tu as commis, même s'ils sont véniels, des plus bénins, je t'y aiderai. Nous verrons si tu es digne. Mais si on se confesse, sans attendre, tout ira bien, non? Non, ce sera pire. Pourquoi? Parce qu'une confession sans douleur n'a aucune valeur. Tu cries ton péché, puis tu le portes à fleur de peau avant que John Seed ne te l'arrache. C'est vraiment magnifique. Putain de taré! Leur fera grâce. T'éloigne pas. On n'a quand même pas fait ça pour te perdre maintenant. Grâce à l'amour de Joseph.
Prends tout ce que tu pourras, et ensuite tire-toi. La panique est en train de gagner ces fanatiques. Par ici, officier. J'ai su qu'il y avait un problème quand on n'a pas réussi à te joindre. Je suis content que le Seigneur m'ait orienté dans la bonne direction. On t'a retrouvé, mais d'autres gens ont encore besoin de notre aide. La secte emmène le reste des prisonniers un peu plus loin. Ils ont merle avec eux, le temps presse. Prends ce que tu peux et va les sauver. Je vais appeler des hommes à nous. On aura besoin d'eux si on veut réussir. Celui qui a pitié du pauvre... Putain de merde ! On doit le sauver ! On peut pas laisser merde ! J'y vais ! Comment un enfant n'a-t-il de rien ? Celui du voisin s'endort chaque soir le vendredi. Comment un politicien obèse depuis son bureau doré ? Merci mille fois. J'ai connu la pauvreté. J'ai connu le désespoir. Mais ça suffit comme ça, ces conneries ! Mais mes enfants, Dieu nous voit. Dieu nous entend. L'humanité est au bord du précipice. Vraiment à nous coller dans le bunker de John. Bon Dieu de merde. Merci, officier. J'ai cru que j'étais cuit. Officier, on a envoyé un hélico pour te chercher. Tiens bon jusqu'à ce qu'il arrive. Et c'est bien tendu. C'est tellement tendu que je peux faire sécher mon linge. Cette putain de ville. On veut pas de toi en Éden. T'as raison. Tout Jésus. C'est quoi le bordel? Je vais te défoncer la gueule. Tout décidé.
Dieu, officier! Tu nous as vraiment sauvé la vie! Va savoir ce que ces enfoirés comptaient faire pour nous! Maintenant, tu vois ce que nous devons affronter ici. Ils nous embarquent contre notre gré, officier. Je sais que tu cherches ton collègue, mais Folzen n'est qu'un fragment de notre communauté, et nous avons tous besoin de toi. Quand nous serons suffisamment forts, nous libérerons tous les prisonniers. C'est une promesse. Il croit vraiment nous sauver? Nous sauver? Enfermés dans un toit? Ah, un peu de sérieux! Ces lâches se sont jetés sur moi! Ils parlaient de me sauver! Il fallait que je fasse confiance au père! C'est quoi ces putains de conneries? Ils auraient mieux fait de me coller une balle dans la tête. J'étais déjà en colère, mais là, je suis furieux. Je vais pas mourir maintenant. Je te remercie, officier. Je vais marcher un peu, ça va me calmer. J'arrive pas à croire que tu t'en sois sorti. Si jamais Eden's Gate te prenait pas au sérieux. De John. Bon, il va être furieux, mais il peut bien aller se faire foutre.